Pour améliorer la résilience des populations et des écosystèmes du bassin du Niger, le gouvernement et ses partenaires techniques financiers signent un accord de partenariat relatif au Fonds vert pour le climat. Cette convention a été paraffée par le ministre en charge de l'économie, Issa Doubragne, et le représentant résident de la Banque africaine du développement au Tchad, Lamine Ali Zen. Pour le représentant de la BAD au Tchad, cet accord va permettre d'assurer une gestion durable des ressources naturelles. C'est un projet qui va s'attaquer aux soucis que rencontre le fleuve Niger, bassin du fleuve Niger. Comment désensabler, comment rendre résilientes les populations dans cette zone, comment augmenter les surfaces cultivables. Après avoir exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires, le ministre de l'économie et de la planification du développement et de la coopération internationale a souligné l'importance de l'accord. Pour un coût total de 11,428 milliards de francs CFA, dont 5,749 millions de dollars, de la part du Fonds vert pour le climat, qui consisteront à financer les activités agropastorales et piscicoles autour des barrages qui seront construits, le financement des activités des sous-projets des groupes vulnérables dans la zone du projet, la dotation des équipements en petit matériel des comités de gestion des infrastructures et l'opérationnalisation du système régional d'alerte précoce ainsi que le renforcement de capacités. De son côté, le chef du département concerné par le projet en question, Aliou Abdoulaye Ibrahim, a salué l'appui conséquent de la BAD. Le projet serait mis en œuvre dans les jours à venir, a-t-il indiqué.